Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Louez le Seigneur, toutes les nations. Alléluia, c'est ce que nous venons de chanter. Nous sommes rassemblés ici de bien des endroits du monde, de France et de Paris, et nous sommes rassemblés par le Seigneur pour chanter sa gloire. Alléluia. Notre cœur est dans la joie. Notre cœur bénit le Seigneur, les grâces qu'il nous fait, pour l'amour qu'il nous donne, et en particulier pour cette messe et cette Eucharistie qu'ensemble nous allons célébrer et prier. Pour que nous entrions dans cette célébration avec le cœur heureux, frères et sœurs, recueillons-nous, prions le Seigneur et demandons-lui la parole de pardon dont nous avons tous besoin, la parole de tendresse dont nous avons tous besoin et qu'il peut nous donner et qui nous comble de joie parce que devant lui, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Oui, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges, tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, nos péchés, et qu'il nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, vivant pour les siècles des siècles. Du livre d'Isaïe. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne vous nourrit pas? Vous vous fatiguez pour ce qui ne vous rassasie pas? Écoutez-moi donc, mangez de bonnes choses, régalez-vous de viande savoureuse, prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je ferai avec vous une alliance éternelle qui confirmera ma bienveillance envers David. Assassine-nous de ton amour, nous sommes.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice? Non, car en tout cela nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort ni la vie, ni les esprits ni les puissances, ni le présent ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent. Et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de pitié envers eux et guérit les infirmes. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : L'endroit est désert et il se fait tard. Renvoie donc la foule. Qu'ils aillent dans les villages s'acheter à manger. Mais Jésus leur dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Alors ils lui disent, nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Jésus dit, apportez-les-moi ici. Puis ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Tous mangèrent à leur faim, et des morceaux qui restaient, on ramassa 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
La première lecture, vous l'avez remarqué comme moi, elle peut sembler complètement irréaliste, utopique. Aller manger, aller chercher du pain, aller chercher du lait, aller chercher de quoi manger, ça sera gratuit. Et les disciples, vous l'avez entendu dans l'Évangile, eux, ils disent « Renvoie-les pour qu'ils aillent acheter à manger. » Et entre les deux, il y a Jésus. Arrivé à ce moment de l'Évangile de saint Matthieu, il nous est dit dans le texte « Jésus a achevé de proposer des paraboles. » Il proposait des paraboles pour éduquer, pour faire comprendre. Alors il arrête les paraboles. Il va désormais maintenant se révéler et révéler le dessein de Dieu par des gestes, des signes puissants que nous appelons des miracles. Ce n'est plus des comparaisons, ce n'est plus de très belles histoires, ce n'est plus de très belles paraboles, comme nous disons, c'est maintenant des actes. Et Jésus passe aux actes, et désormais il va se révéler dans ses actes, jusqu'au moment où il va ressusciter. Disciples et foule suivent Jésus. Et même s'il part dans un endroit désert, comme dit l'Évangile, avant de se mettre à l'écart, il est vite rejoint. Par qui ? Par une foule d'hommes, de femmes, d'enfants, nous dit l'Évangile, nous précise l'Évangile. Et de quoi ont-ils enduit ? Eh bien, certainement de trouver des moyens pour vivre. Et ils mettent en Jésus une folle espérance. Mais surtout, nous le savons, il veut être vu par lui. Il veut être entendu par lui. Ils veulent être compris par lui. Alors ils lui présentent leurs maladies, leurs détresses, leurs infirmités, car ils ont tous compris que Jésus les aimait. Et voilà un homme qui sait leur parler avec un langage simple, imagé, compréhensible. Alors cet homme qui est capable de parler comme ça, cet homme qui est capable de se faire entendre comme ça, de se faire aimer comme ça, pourquoi ne serait-il pas capable de régler le problème de l'alimentation, du vin, du lait, du pain, et cela même gratuitement? Folle espérance, bien sûr, soi-disant. Mais déjà à ce moment-là, les disciples, vous l'avez remarqué comme moi, perçoivent qu'il y a déjà une ambiguïté dans la situation. Ils sont gênés. Maître, renvoie-les pour aller acheter quelque chose. Ils ont déjà été un peu introduits dans le mystère du Maître. Ils savent bien que Jésus n'acceptera jamais d'être leur roi, leur président, leur ministre. Et dans quelques instants, les disciples vont faire l'expérience extraordinaire et sublime à laquelle ils ne s'attendaient pas du tout. Ils vont eux-mêmes se trouver impliqués dans le miracle. Le regard de Jésus se porte sur la foule, nous dit l'Évangile, et son cœur se serre à la vue de toutes ces personnes, à la fois désemparées et à la fois tendues vers une espérance. Vous savez, le regard de Jésus dans l'Évangile, il nous est souvent rapporté. Et à l'exception de celui qu'il porte sur les pharisiens obséquieux, ce regard intense, profond, séducteur, est toujours l'expression de son amour, est toujours l'expression d'un appel, à le suivre, à aller plus loin sur le chemin de la vie. Ainsi, Jésus entend les disciples lui dire « Renvoie-les » et il leur répond
donnez-leur vous-même. Il va mener de front, comme nous disons, l'éducation à la fois de la foule, pour qu'elle comprenne peut-être mieux ce qu'il est, et à la fois des disciples, parce qu'il va les compromettre dans le miracle. Et en quelque sorte, Jésus pourrait leur dire, retenez-les, ne les envoyez pas, retenez-les tous, et faites-les entrer dans ce mystère du sacrement de la vie, de la vraie vie, du vrai pain. Ce qui se passe annonce, nous le savons, l'Eucharistie, bien sûr. Ce passage d'Évangile décrit ici, en fait, vous l'avez remarqué, tout repas festif des Juifs sur lequel s'est enraciné notre Eucharistie. Autour de la table familiale, hommes, femmes, enfants, le père de famille rompt le pain, en donne part à chacun, après avoir prononcé la bénédiction « Béni sois-tu, Seigneur ». Eh bien là, Jésus, reprendons la formule, la bénédiction et le geste. Ce geste même, nous le savons, et ces paroles mêmes qu'il dira quand il instituera l'Eucharistie, le jour de la scène. Et c'est pourquoi, dès l'origine, les premiers chrétiens ont reçu ce texte de la multiplication des pains que nous venons de lire comme une annonce anticipée de l'Eucharistie. Il est désormais acquis que le pain et le vin de la vie éternelle n'est pas à acheter dans aucune boutique des villes. Il est donné gratuitement par Dieu en Christ. Il est donné ici, au cœur d'ailleurs, de cette même bénédiction, de ce même partage du pain, et nous le chantons nous-mêmes, « Pain rompu pour un monde nouveau ». L'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de la parole de Dieu. Le pain de nos tables, nécessaire à la vie, ne connaît que l'image, l'annonce d'un autre pain, celui de la vie éternelle. Donnez-leur vous-même à manger. Le pain est rompu, il est donné aux disciples d'abord, et ce sont les mains des disciples qui le partagent à l'infini. Ce ne sont pas les mains de Jésus. Jésus ne distribue pas. C'est les disciples qui partagent et qui le partagent à 5000 personnes, nous dit l'Évangile, avec la foule. Et nous retenons enfin cette prière, cette recommandation qui traversera les siècles et qui nous fait aujourd'hui nous retrouver autour de l'autel. Faites ceci en mémoire de moi. La vie qui nous est annoncée et donnée doit être par nous donnée et partagée aussi aux autres, parce que nous sommes les disciples du même Seigneur. C'est dire que l'Eucharistie nourrit la mission, et l'Eucharistie est la source de toute mission que nous avons reçue le jour de notre baptême, de tout apostolat. Et nous voilà ce soir, frères et sœurs, acteurs et témoins autour de l'autel, dans cette cathédrale. Nous voilà, vous voilà, témoins et acteurs de quelque chose de fabuleux, d'un événement fabuleux auquel vous avez choisi de participer à divers titres. Au cœur de notre ville, en cette cathédrale, le pain de vie nous est donné, vous est donné. Mais une question lancinante reste inscrite en nos cœurs. À celles et ceux qui ne savent pas, ou qui ne savent plus, ou parfois qui ne veulent plus savoir, à celles et ceux que nous connaissons ou non, que devrez-vous partager à votre tour comme les disciples envoyés par le Maître? Comment vous pourrez les faire entrer dans ce sacrement de vie? Quelles paroles vous allez pouvoir dire? Quels signes faire? Quels témoignages donner pour que vous soyez comme les disciples, des acteurs du miracle?
Que devons-nous partager? Que partagerez-vous? Que direz-vous en sortant de cette Eucharistie? Vous ne pouvez pas sortir indemne après avoir vécu cet événement fabuleux du pain transformé en corps et sang du Christ. Nous accueillons ce grand mystère de notre vie chrétienne avec reconnaissance et avec joie. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei. Thank you.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses, que ces saints mystères où ta grâce opère avec puissance sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes. Tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque André, son auxiliaire ici présent, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rachète-nous du péché. Souviens-toi de nous, et nous attendons le bonheur que tu promets, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la jusqu'à l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnons-nous la paix. Oh.
Frères et sœurs, quelques informations pour la semaine qui vient. Demain, lundi 4 août, vous êtes invités, si vous êtes à Paris, à assister au concert donné par la musique sacrée à Notre-Dame à 20h30, soliste de Notre-Dame et les grandes orgues. Demain, mardi 5 août, c'est le jour anniversaire du décès du cardinal Jean-Marie Lustiger. Les messes de 8h, midi et 18h15 seront célébrées à son intention. Et le dimanche 5 octobre, une messe solennelle sera célébrée en mémoire du cardinal à 18h30 par le cardinal André XXIII. Mercredi prochain, fête de la Transfiguration du Seigneur. C'est aussi la journée nationale des sanctuaires. Ils sont nombreux en France, mais ils sont nombreux aussi dans le monde, et beaucoup de fidèles s'y retrouvent et y retrouvent la foi et l'espérance. Si vous êtes à Paris, le jour de l'Assomption de la Vierge, le 15 août, la veille au soir, le jeudi 14, vous pourrez participer au 5e pèlerinage fluvial sur la Seine à 20h30. Mais pour ce faire, vous devrez demander à l'accueil, dans la semaine qui vient, les contremarques gratuites qui vous permettront de monter sur les bateaux. Le lendemain, vendredi 15 août, après les vêpres, à 15h45, la procession mariale se déroulera selon l'habitude dans les îles de la Cité et de Saint-Louis. La messe sera comme d'ordinaire à 18h30. Nous poursuivons notre prière avec Monseigneur Paulien, évêque auxiliaire de Paris. Prions encore le Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le pain du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de l'éternel salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Tournons-nous vers la Vierge Marie pour la prier. Salve Regina.
et sœurs, merci de votre fervente prière, de vos chants, merci de votre présence pour cette Eucharistie. Merci aux prêtres qui sont là, qui sont, je crois, des prêtres du Brésil. Et puis merci, bien sûr, aux chanteuses et aux organistes qui élèvent notre cœur vers la splendeur du ciel. Et puis merci à tous ceux, celles qui travaillent dans cette cathédrale en ce temps d'été. Et donc, comme l'a dit tout à l'heure le Seigneur, au 15 août, pour la plupart de vous, respect pour vous.